ce matin pour manifester contre la suppression de postes annoncée par notre gouvernement. À peine on a commencé notre rentrée avec bien sûr moins 16 000 postes en 2011, on nous annonce déjà 14 000 postes pour la rentrée 2012. On a du mal déjà à faire avec les moyens qu'on nous accorde actuellement, aussi bien dans les maternelles que dans le primaire, dans le secondaire. Alors on nous annonce déjà 14 000 postes, nous demandons au gouvernement comment voulez-vous qu'on fasse mieux avec moins d'enseignants, avec moins de moyens. Et dans l'Indre, qu'est-ce que ça donne? Alors dans l'Indre, on a déjà eu 80 postes qui sont partis en 2011. Alors bon, nous craignons pire pour la rentrée 2012. Alors bon, si on veut offrir un enseignement de qualité à nos élèves, le meilleur moyen, c'est d'investir dans l'éducation nationale. À une époque où on nous présente les internats d'excellence comme étant des établissements sélectionnant des élèves qui sont volontaires, motivés, avec des petits effectifs. J'ai le souvenir d'un reportage sur France 2 avec une classe de 12 élèves, deux enseignants et un assistant d'éducation. Je trouve que l'on se moque un petit peu du monde lorsque l'on propose à des élèves une option, 49 élèves, un enseignant, et non pas une option complète, mais simplement un tiers d'option, c'est-à-dire non pas 3 heures par semaine, mais simplement une heure par semaine. Ce qui est le cas dans un lycée de l'Indre. Ce qui est le cas dans un des lycées de l'Indre du sud du département de l'Indre. Le lycée donc Rollina. Il s'agit du lycée Rollina Argenton. Je suis parent d'un élève de ce lycée. L'année dernière, il avait 2 tiers d'option. Cette année, il n'a plus qu'un tiers. Qu'aura-t-il l'an prochain? La question reste posée. Oui, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée.